Extrêmement symbolique parce qu'il nous ramène à ce pictogramme phénicien qui nous ramène à Aleph, qui nous ramène à la source, qui nous ramène à la lignée de Adam. Adam a Aleph le premier, Dame sang, lignée de sang de Adam. Donc on est dans la, comme l'a dit très justement tout à l'heure Jean-Frédéric, tout ce passage là c'est de la génétique et c'est l'arbre généalogique que je vous ai mis à l'écran. Pour découvrir le secret de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort pour ensuite renaître à la vie. Puis, j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Ah. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante, a morning star, devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité jusqu'au moment... Vous pouvez penser ange, hein, parce que c'est le même mot. Hein. D'accord ? Dans son Aguenti, détachement prononça la parole qui appelait le pouvoir en accord avec la loi. Le verbe du maître éclata en fleurs. Bon. Voilà, il éclata en fleurs. Du cœur profond de la terre, les enfants d'Amenti entendirent son appel et avec leur logos, ils dirigèrent les mutations de la fleur de feu qui brûle éternellement afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre et il ne resta que le temple de lumière, seul et intact, sur la montagne de Lundal qui émergeait au-dessus des eaux et qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre. Okay, donc là, on est sur un passage de déluge. Okay. Il ne resta que le temple de lumière, seul et intact sur la montagne de Lundal. Donc vous pouvez l'appeler le mont Olympe, vous pouvez l'appeler le jardin d'Éden, vous l'appelez comme vous voulez, qui émergeait au-dessus des eaux et qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. Rappelez-vous bien des grandes fontaines. Notez-le quelque part, surtout pour ceux qui vont suivre le livre d'Enoch. On va faire une étude du déluge et rappelez-vous bien de ces grandes fontaines. Aujourd'hui, on a un très, très grand scientifique, un éminent scientifique qui est en train de prouver non seulement la véracité du déluge biblique, mais qui en plus est en train de prouver que l'eau n'est pas venue du ciel. Il est pris pour un fou, mais tous les écrits sacrés vont dans son sens et les dernières découvertes archéologiques
et géologique vont dans son sens. Donc rappelez-vous bien la fureur des grandes fontaines, s'il vous plaît, notez-le quelque part dans vos têtes. Hein? Donc ça, c'est important. C'est alors que le maître m'appela. Rassemble mon peuple avec le grand art que tu as appris avant que les grandes eaux et transporte-le dans le pays des barbares poilus. Ah ouais, non, mais c'est ça. Tu fais quoi? Les Préas, c'était des Cro-Magnons encore à cette époque. Des barbares poilus dans les cavernes du désert pour accomplir le plan que tu connais déjà. Ça vous rappelle quoi, ça? À ce moment-là, qui est Thoth? Rassemble ton peuple avec le grand art que tu as appris. Moïse? Ben non, on n'est pas encore à Moïse là. Et Ouais, mais... avant les grandes eaux, on n'est pas encore à Moïse. Mais avant les grandes eaux, ben c'est Noé. Oui, Noé, Noé. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant, tous les taureaux, les éléphants, les chameaux, les ânes, il y a des ânes aussi, hein, et les troupeaux périssaient dans cette immense inondation. Ils disparaissaient engloutis et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardais encore et voici que les cataractes cessèrent de tomber d'en haut et les fontaines de la terre de couler. Et les abîmes s'entrouvrirent, écoutez bien ça, et les eaux s'y précipitèrent et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent et la lumière apparut. D'accord? Donc là, on a un phénomène. Donc déjà, dans un premier temps, les cataractes du ciel s'ouvrent. Les fontaines jaillissent. D'accord? La terre se sépare et les fontaines jaillissent et se répandent partout sur la terre. Ensuite, on a un autre système. Les fontaines arrêtent et on a un peu comme un système de drain. Hein? La terre s'est ouverte pour réaccueillir derrière la flotte. Eh oui. Donc, quand on lit ce texte-là, bon, bien évidemment, on est dans le texte dans les visions d'Enoch. On dit, bon, Enoch, il a trop fumé l'ayahuasca. Les anges, ils lui font voir des trucs, pas tant qu'enfin, bon, bref. Cependant, il y a un scientifique qui a pris ces choses très, très, très au sérieux et il a non seulement démontré ce qui est écrit ici, mais il se sert du livre d'Enoch dans ses colloques scientifiques, justement, et c'est pour ça que ce livre-là, hein, je vous l'ai dit, il est pétri d'informations scientifiques, et il se sert donc du livre d'Enoch, justement, pour ses travaux de météo et ses travaux de géologie, pour aller dans ses colloques scientifiques et exposer aux scientifiques qui sont extrêmement réticents par rapport à cette théorie, mais pour leur prouver, regardez, des livres qui ont été écrits jadis au moment de ces perturbations nous relate la mécanique parfaite de ce qui est écrit là. Rappelez-vous, hein, on a trouvé de la médecine, on a trouvé aussi dans la Bible, on a trouvé énormément dans le livre d'Enoch des manifestes au complet sur de la médecine et aussi également sur de la météorologie. Donc on est toujours basé là-dessus. Donc on y va. Donc le déluge a-t-il eu lieu? Parce il y a encore des gens qui se posent la question, hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent, alors on ne va pas les traiter de négationnistes, mais il y a des gens qui remettent en question la véracité d'un déluge global. T'as Il pas vu paraît que la Christian Terre Bale? est plate, alors. Ouais, bon, après, ouais, non, ouais, c'est vrai si on part comme ça. Ah, moi, c'est des trucs, ça me donne envie d'arrêter. Donc voilà, donc il y a sur notre planète aujourd'hui 17 représentations, c'est-à-dire phénomènes visibles, hein, qui ne peuvent être que le résultat d'un déluge global cataclysmique. Okay. Le docteur donc Walter Brown a passé plus de 20 ans à étudier un phénomène que seul le livre d'Enoch semble relater de façon très claire. Okay. Donc le docteur Walter Brown. Donc là, vous avez à l'écran, vous avez la faille de Sant'Andrea, vous avez le Grand Canyon, et hein, vous voyez autour, hein, autour de ce Grand Canyon, on a donc ces ramifications d'eau. Donc, et surtout, ce que vous pouvez voir sur les couches, hein, de ces montagnes, de ces canyons, c'est cette. On voit, on peut visualiser l'érosion de l'eau, hein, c'est-à-dire, on peut visualiser. D'ailleurs, ils arrivent à dater maintenant, grâce à ces techniques-là, ils arrivent à dater effectivement quand l'eau était à quel niveau.
Il y a un truc comme ça aussi avec le Sphinx. Oui, effectivement, oui, sur le Sphinx et sur les Ouais, pyramides, ils ont on retrouvé peut. On... des stries qui ne peuvent pas dans la pierre, enfin, qui ne peuvent être que le résultat d'une. D'ailleurs, ça a complètement antidaté le résultat au carbone 14. C'est-à-dire Complètement. qu'ils avaient un résultat au carbone 14 qui était de quelques milliers d'années, et grâce à ces stries d'eau, ils ont pu dire, non mais, tu vois là, ce Bien truc-là, plus loin. ça veut dire qu'il y a eu de la flotte sur le Sphinx à telle époque. Donc ton test au carbone 14, tu peux, hein, si tu ne sais pas comment te Bon, torcher les fesses, si tu n'as plus de papier cul chez toi, tu peux le prendre. Hein, tu peux y aller. Allez, on y va. Donc, ça c'est le docteur Walter Brown, hein, vous voyez sur le côté. Donc, les eaux ont jailli de chambres souterraines avec une énergie dégagée supérieure à l'explosion de 10 milliards de bombes à hydrogène. C'est-à-dire que l'eau, elle était tellement compressée qu'au moment où elle est sortie, 10 milliards de bombes à hydrogène, messieurs-dames. Je ne sais pas si vous imaginez Je veux dire, bon, si vous êtes à côté, c'est bon. Hein. Vous avez retrouvé le créateur très très vite. Vous n'avez même pas senti, je pense. Hein. Vous avez Quelle été. belle mort. Ah, t'es mort comment? Bah, je suis mort à côté d'une fontaine. Une fontaine terrestre. Hein, voilà, comme ça. Cela explique pourquoi il y a sous les océans quantité de volcans et de failles. Cela explique la hauteur de certaines de nos montagnes. Cela explique l'apparence des couches, des fossiles, d'animaux pris dans ces couches. D'accord? Et les canyons, en particulier le Grand Canyon. Donc là, vous avez ce qu'on voit à l'écran. Le docteur Walter Brown a déposé ce qu'on appelle la théorie des hydroplaques. Hydroplate theory. D'accord? Donc là, il vous a montré comment les fontaines hein, se sont manifestées. Donc là, vous avez les montagnes comment dire prédiluviennes. Vous avez des mers prédiluviennes et ensuite les fontaines qui sont sorties de sous la terre. D'accord? Dans la péninsule de Kola, en Russie, a été foré le plus grand trou du monde. D'accord? Et le plus profond, en remontant donc des échantillons, parce qu'ils sont allés chercher ce qu'il y avait dans ce trou, parce que le but de ce trou était d'aller récupérer ce qu'on appelle du basalte, d'accord? Au fin fond de la Terre. Donc ils ont vraiment foré loin et longtemps. Et surprise, et là ça a confirmé les théories du docteur Walter Brown, les scientifiques pensaient remonter du basalte, qui était en théorie ce qui devait se trouver à cette profondeur. Ce qu'on remonta, c'est de l'eau claire, chaude et salée. Waouh. Mer OK. souterraine. Eh oui, donc ce qui veut dire quoi? Ce Ben, qui veut ça veut dire dire qu'on que. Oui. on est en fait comme un radeau sur l'eau, quoi, tout simplement. Mais déjà dans un premier temps, et que à l'intérieur même de nos terres immergées se situe un océan, et ça nous ramène à un certain roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Voilà.